C'est un client, il veut racheter un restaurant, donc c'est une première activité pour lui. Et donc il va voir un banquier avec ses éléments à lui. Le banquier refuse son dossier. Et à ce moment-là, intervient le projet SOFEC. Donc le client vient chez nous. Et c'est là où il est reçu ici, où il y a tous les collaborateurs avec l'associé qui le reçoivent. Et ensuite, on a déterminé 4 scènes où on veut montrer que le cabinet travaille sur des sujets. Chaque fois que le client ou le collaborateur est dans un bureau, si vous voulez, on l'identifie. Donc il y a la formation, le collaborateur, puisqu'on était plutôt dans le muet, on voulait mettre des infos pour que quand on voit l'écran, on sache comment ça se passe, quoi. De Benny Hill en fait, donc c'est rythmé, on veut faire quelque chose de rythmé et c'est sur le thème d'un contrôleur fiscal qui débarque avec notre client au cabinet. Donc on a le client et le contrôleur, c'est pour ça qu'on les voit arriver à l'entrée. Et après, tous les collaborateurs les emmènent dans les bureaux spécifiques, compta, paye, juridique, pour terminer dans le bureau de l'expert comptable, où là, on cherche la solution pour sortir notre client de son contrôle fiscal. Je mets juste AAA, je marque vraiment comme ça. Et là, je mets signature. En fait, on s'inspire du film Le Parrain. Donc, en fait, il y a le parrain, M. Murat, qui s'appellera D'Argent. C'est moi. Il y aura l'expert comptable, moi-même. Non, en fait, je vais lui présenter les différents services et lui expliquer que pour pouvoir adhérer au cabinet, rentrer au cabinet, il faut qu'il ait le triple A, en fait. Donc, lui, il va me dire il n'y a pas de problème et on va continuer la visite, en fait. Donc, visite du service juridique, social et comptabilité. Allô? Oui, monsieur D'Argent? Qui c'est celui-là? Avec un nom comme ça? Ah, un client! Ah bah j'arrive. Bonjour monsieur D'Argent. Bonjour. Juste compte, expert comptable. Que puis-je faire pour vous? J'ai mon expert comptable qui a eu un AVC et je dois le remplacer. Comment? Oui, un accident de voiture quand on était là. Présenté? Pas du tout. Bon, bah suivez-moi. Nous, on est parti sur une idée de
parodie de James Bond. Voilà, donc il y a des rebondissements, des attaques, de l'action. Et il arrive toujours à s'en sortir et accomplir sa mission. Voilà, donc il y a des scènes de charme, des scènes d'action. Et puis voilà. Moi, je vais être un informaticien qui va pirater un réseau. Bonjour MY2. Bonjour MY3. Comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Bah, y est, un grand moment. Ouais. Profitez de ma retraite au soleil. Vous avez bien mérité. Je vais vous confier votre première mission, donc. Oui. Des informations ultra confidentielles. Alors, d'accord. On va remettre à Madame Voldor. Ok. Maintenant que nous sommes tous d'accord sur notre plan d'action, je vous en rappelle l'objectif, qui est d'obtenir à tout prix ces documents financiers qui concernent la société Vaudelor et qui sont très confidentiels. Ils sont pour l'instant détenus par l'agent MY3 que nous ne connaissons pas car nous n'avons jamais eu affaire à lui. Nous espérons qu'il ne sera pas trop fort. Sa mission. À notre prochaine merci. Mission. Merci. Au revoir. C'est assez simple, c'est sur le thème du Père Noël est une ordure. Donc les noms ont été changés un petit peu, mais donc on a Irénée Souzy qui arrive avec son caddie, donc qui est ici, bourré de papier, elle arrive à l'accueil, elle dit je suis dans la merde, je voudrais faire passer ma compta. Comme elle a pris son caddie, elle va commencer, elle va à l'accueil, elle fait un truc à l'accueil avec des gens, il y a une personne qui est d'une grande société, etc. Ensuite il y a son mari qui arrive parce qu'il l'a suivi, donc ils sont en train de s'engueuler à l'accueil. Ensuite, moi, je vais les chercher. On les fait rentrer dans la salle d'attente, dans la salle de réunion. Et ben, on discute de l'organisation, etc. Et puis après, je leur vends comme quoi c'est. On a fini, on les a organisés. Ils repartent, ils sont contents, etc. Tu tombes à pic. Bonjour. Bonjour, madame. Elena Laclasse, j'ai rendez-vous avec Alora les réponses. Oui, bien sûr, je vais vous la contacter. Je vous laisse patienter. Merci. Oui, votre rendez-vous est arrivé. D'accord. Elle arrive. Bonjour. Bonjour, c'est le bordel, j'en ai marre, j'en peux plus, j'accouche dans 2 mois, j'ai des problèmes, il faut trouver une solution. J'ai tapé Conta, il m'a amené direct ici, 3 rue de Mailly, je fais quoi? Trouve-moi une solution. Oui, d'accord, je vous laisse patienter, je vais appeler quelqu'un. Dans la salle d'attente là? Monsieur Tease, vous pourriez venir s'il vous plaît, vous êtes le seul disponible et il y a une personne à l'accueil qui n'a pas pris rendez-vous. Ok, merci. Mon contrôle d'urine. Tu surveilles mon caddie, hein? Personne ne touche, hein? D'accord, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Heureusement que je suis, jamais j'aurais pu le retrouver, mon caddie. Garde en fait les classeurs pour passer votre comptabilité. Oui, c'est possible, oui, mais
Moi, je veux bien garder les sacs. Là, vous donnez chacun un sac, comme ça, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Les classeurs, il n'y a pas de souci. Merci. On vous laisse les classeurs, comme ça, vous vous débrouillez. Voilà. Bon, enfin, je vous en prie. En tout cas, j'étais en colère, mais tu as fait le bon choix. Ah, j'ai bien fait le bon choix. Alors, je savais que tu n'étais pas d'accord, mais bon. Attention à mes rétros. Ah, c'est bon. Je vous appellerai pour vous dire quand j'accouche et quand j'ai accouché. Au revoir, mes beautés. Je viendrai vous voir.